nouvelle vidéo sur mes affaires d'équitation. Donc j'ai préparé une petite liste. Donc on va commencer voilà. Donc on va commencer tout d'abord par mon gros sac. De marque Frenzer. J'ai pas eu le temps d'avoir une petite photo. Donc je l'ai vu il y a. Je l'ai eu il y a une semaine, le 17 du 5, je crois. Donc, il est super bien, je rentre toutes mes affaires dedans. Donc, pour commencer de mes affaires, comme je veux qu'il reste aéré, comme ça, j'ai un petit sac violet en fait, que là-dedans, je mets tous mes brosses. Alors, en fait, je mets tous mes brosses pour une raison très simple, comme ça, et ben après, j'ai juste. À enlever toutes mes brosses et tout ça et les mettre dedans parce que comme ça je trouve qu'en même temps ça aère les affaires donc on va commencer par ma petite boîte d'élastique. En fait c'est une marque de chewing gum sauf que je l'utilise pour mes élastiques noirs. J'en ai plein. Voilà. Donc ça, c'est pour ma DLC en fait qui est un chiffon. Comme ça. J'ai une éponge. Un peu crade, mais ça va. J'ai un sachet. Avec des friandises, que ça sent la pomme. Là, docké du soleil. Normalement, j'aurais dû faire la vidéo à l'intérieur. Sauf que, comme il y avait le sèche-linge qui tournait, on aurait entendu tout le monde le sèche-linge. Donc, j'ai décidé de la faire dehors. En plus, il fait beau. Donc, ensuite, dans mon petit sac, je mets mon bonnet. Taille cheval, voilà, violet. Je mets aussi une bouteille d'eau que j'ai vidée parce que je saute souvent quand je sors de la kitchen. Une époussette pad avec des petites chenilles comme ça, grise et un peu marron comme ça. Qui est très bien. Donc ensuite j'ai un croupier. Ça c'est complètement pété, faut que je rachète là, avec le bout marron. J'ai un autre croupier avec une petite brosse. Donc la brosse elle est noire. Et le courbet est un peu gris comme ça. Avec le bout. Je l'utilise pas souvent comparé à celui-là. Ensuite, j'ai un bouchon. Des poils. Donc, voilà. De marque Ekeri. Noir. J'ai une autre finlandaise grise. De marque Ekeri. Alors, il y a plein de poils, faut pas s'étonner. J'ai monté Totem samedi dernier. Donc, j'ai perdu ses poils. Un bouchon rouge blanc. Enfin, une brosse douce, pardon. Rouge blanc. Une brosse de marque Ekeri pour les crins. Netrimol. De
marque écrime écrit un peu massante, moi je dirais. Je sais plus trop le nom, donc dites-moi en commentaire si vous savez. Et pour finir, j'ai un peu de graisse. De marque Ekery. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit moi? C'est pas de marque Ekery, c'est de la graisse, c'est écrit en anglais. Bref, c'est de la graisse. Que ici. Voilà. C'est comme ça le pinceau. Ensuite, avec, je mets mes protections anti-cheval de marque Equitem, protège boulet. Et voilà. Donc c'est taille cheval. Donc voilà, c'est taille cheval. Et comme avant je montais un poney qui faisait taille cheval en protection. Je l'avais pas en DP mais je le montais tout le temps. Mais maintenant je change régulièrement et puis ça je les ai eu parce que en fait c'est une fille, elle me les a donnés. Je les ai pas achetés en fait, elle me les a donnés. Donc voilà. Donc voilà mon sac vide que je vais remplir après la vidéo. Voilà. Ensuite, on pourrait faire. Donc, avant que j'ai mon gros sac et que je mette mes brosses là-dedans, et ben je mettais mes brosses dans le sac là. Je mettais mes brosses dans le sac là. Mais ça, c'était avant que j'achète le gros sac. Donc, des sachets, je sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Avant, je mettais mes brosses là-dedans. Mais c'était avant que j'ai le gros sac, comme j'ai dit. Et du coup, je vais le vendre ou le donner. Mais je pense que je vais plutôt le vendre que le donner. Parce qu'il est encore en bon état. Donc je vois pas pourquoi je le donnerai alors qu'il est en bon état quoi et je l'ai acheté moi. Donc maintenant voici mes bottes. Voilà, que je mets pour monter avec les chaps. Que c'est taille 14. Je sais plus trop la taille, mais normalement c'est. Oui, voilà, taille 14. Non, c'est écrit. Que je m'en sers toujours en marron. Parce que je les avais prises. Sauf qu'en fait, eh bien, il n'y avait plus de noir, donc j'ai pris un marron. C'est toujours écrit. Donc voilà, ensuite mes chaussures. Un peu dorées comme ça, que je mets avant d'aller à l'équitation. Voilà. Ensuite ma bombe, voilà, ensuite mon little pad taille full, voilà, 1914 2014, voilà. Ensuite, j'ai un autre Lickle à moi. Taille cheval. Parce qu'avant, j'avais des chevaux. Enfin, j'avais un cheval. Voilà. Mais maintenant, je monte en club. Donc voilà, avec la longe. Hein? Donc le licol il est en violet. Avec du gris, du violet et du violet. Voilà. Et ici c'est argenté comme ça. Bref, il est bleu. Donc voilà. Maintenant,
J'ai mon écurie noire taille poney avec des petits chevaux. Elle a aussi des petits chevaux. Mon moutet comme ça. Ensuite, j'ai un amortisseur. Voilà. Mon moutet. Voilà. J'ai un tapis gelé avec des lignes blanches et une ligne noire avec écrit extrême ici. Voilà, en vert. Qui a plein de poils, donc ça c'est une horreur. Hein. Il y a plein de poils. Donc, voilà. Là avec des scratchs ici. Je sais pas si on vous sent, il y a des scratchs. Et ici aussi c'est un scratch. Voilà, le devant c'est un scratch. Donc voilà, on a fait le tour de mes affaires d'équitation. Maintenant les voilà l'ensemble. Enfin, voilà tous mes affaires d'équitation éparpillées. Donc voilà ici, ben là c'est les cols gris, chaussures, bombes, chaps, bottes. Protection, tous les brosses ici, même la fiche pour mes affaires, une petite bouteille. Voilà, c'est mon tapis violet. Voilà. Ici. Mon amortisseur ici, là. Et voilà, donc là c'est mon ancien sac de pansage que j'avais avant, mais qui ne me sert plus à rien. C'est celui-là pour les brosses quand je ne les mets pas dans mon gros sac là, en gros. Donc je l'ai acheté chez Decathlon. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, kiffez, faites ce que vous voulez quoi. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait bien pour moi.